Bonsoir mes Sagittaires, c'est Nati mes chéris. On va voir quel message j'ai de la part de votre âme, de vos guides, vos ancêtres, de l'univers, d'accord mes chéris? Donc ça ne parlera pas à tout le monde hein, forcément. C'est vrai que c'est en général, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes trop nombreux et nombreuses. Mais vous allez vous reconnaître, toujours est-il, si ça sonne, eh bien si ça résonne et si ça sonne à votre oreille, c'est que c'est pour vous, c'est que ça vous est adressé. Alors, on regarde trois cartes, s'il vous plaît. Waouh! Ok, bah tant mieux. On est dans la nervosité, anxieux, anxieuse. Il y a eu du chamboulement, d'accord, dans votre vie. On a perdu un petit peu d'assurance. Ça ne parlera pas tout le monde, on a de confiance, d'accord. Et puis d'autres, vous vous sentez dépassé. Puis d'autres, ça discute, oui, peut-être. Il y a des questions de discussion. Et puis bon, on n'est pas très d'accord, d'accord. On n'est pas très d'accord, d'accord, ok. Bon, pardonnez-moi, il est 23h et quelques, donc du coup, c'est la fin de journée, c'est plutôt bientôt au dodo. Alors, toujours est-il ici, il y a des désaccords, on n'est pas d'accord, désaccords ou alors disputes, ou alors on hausse le ton, d'accord, pour certains et certaines, mais on va couper, on va remédier à ça, ça j'aime. Vous n'allez pas vous laisser faire, on est bien d'accord, lui, regardez-le. Lui, en fait, il n'y a rien qui l'arrête. Tout ce qui l'entrave, en fait, hop, en fait, il est en train de tout faucher devant lui. Donc, en fait, on ne va pas se laisser faire. On va remettre les choses dans l'ordre. Et puis, c'est aussi, ça ne va pas durer. C'est ça que je veux dire. Et puis, c'est aussi une fin de cycle. C'est possible que ça a été pénible. C'est possible que vous êtes très fatigué et que vous avez hâte de sortir du mois de mars, donc c'est possible. Toujours est-il ici, on va vers la lumière, on va vers la joie, le bonheur, vous voyez, vers la lumière, parce que quand même, on a de la lumière ici avec nos étoiles, on est bien d'accord, et on va vers sa chance, on va vers sa bonne étoile, d'accord, et puis elle vous protège aussi, hein, justement, hein. Y a la protection, vous avez la protection. Ici, on a des bonnes nouvelles, d'accord. Parce qu'on a le petit oiseau ici, il ne faut pas l'oublier, on a de bonnes nouvelles. Et sinon, en ce moment, il y a beaucoup de contacts, d'échanges et beaucoup avec les réseaux, d'accord, ou le téléphone aussi, c'est possible. On s'appelle, on échange ou alors on regarde des vidéos sur YouTube, enfin j'en sais rien. Ce que je veux dire, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup... En fait, ça vous fait du bien, voilà. Ça peut être des SMS aussi, hein, pourquoi pas. Insta, enfin bon, bref, vous m'avez compris et comprise. Et sinon, ici, on va se faire beau et belle, on va faire du sport pour certains et certaines, on va faire attention à sa ligne. Qu'est-ce qu'il y a encore qui ressort? Bah, écoutez, c'est la carte de l'esthétisme, tout ce qui est esthétique, d'accord. Donc, on va faire attention à notre apparence, mes chéris. Bah, vous aimez le printemps. Et puis, vous avez besoin de lumière. Voilà, vous avez besoin de briller, vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin aussi de vous reposer, mais ça va aller mieux, je vous assure. Ça va aller mieux en début de semaine prochaine, d'accord? Vraiment. Alors... Il y a un vœu qui se réalise aussi pour certains et certaines. Vous allez réussir quelque chose. Pour d'autres, il y a un rééquilibrage qui se fait. Et pour d'autres, on vous demande de tempérer aussi et d'attendre et ça va venir. Quoi, je ne sais pas, peut-être ce petit oiseau qui apporte la bonne nouvelle. Ou alors, écoutez, vous qui êtes fatigué, on va se rééquilibrer ou alors on vous demande d'être patient par rapport à la réussite, justement par rapport à quelque chose, mais il y a quelque chose dans l'air, bon, qui arrive pour vous, de positif hein. Celle-ci, et comme j'ai la fatigue, eh ben ça va, c'était 3, c'est bien, merci. Oui, ben c'est bien tout ça. Hein. Bon, c'est celle-ci d'abord.
Et celle-ci. Ok. Comme il y a la fatigue quand même, je reviens. Je vais tout simplement, comme mes chers stéchistes et mes chers cancers, je devais arrêter puis je continue. Je me plains pas, hein, mes chéris. Hein. Et je devais arrêter puis. Je devais arrêter après les cancers et puis voilà. Voilà, c'est pour vous. C'est pour votre santé, d'accord? La vitalité et puis la réussite. Tout ce que vous entreprenez, que vous réussissiez, que vous soyez dans la réussite, mais pas que. Que ce soit plus facile, que je vous envoie de belles énergies. Voilà, j'avais fait tomber quelque chose, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah c'est bien. Écoutez, ici, on est fier de soi, d'accord? Je pense parce que vous ne vous êtes pas laissé faire, parce que je vous ai dit, hein, on est en désaccord, voilà. On est en désaccord, on va être fier de soi, fier de ce qu'on a réussi jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Et vous pouvez l'être. Et puis, en fait, ici, on va se poser surtout, vous voyez? Alors, elle ferme les yeux, elle se détend, elle est en... on dirait qu'elle médite d'ailleurs. Mais elle est tranquille, apaisée, d'accord? Mais par contre, il y a quand même ici, on a le page de pentacle. Ici, il faut prendre une direction, mes chéris. Ici, il faut se décider, voilà, il faut se décider, prendre une direction et dire ce que vous voulez. Ah, ça aussi, hein, ça ressort. Dire ce que vous voulez. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, attention, hein. Mais là quand même ça me parle de ça, de dire ce que vous voulez. Peut-être que vous ne savez pas quelle voie prendre. Peut-être que vous en avez ras le bol de ce que vous faites à l'heure actuelle et que voilà, en fait vous voulez prendre une autre voie mais vous ne savez pas laquelle. Mais là on vous demande de dire ce que vous désirez vraiment, d'accord? C'est plus ça, hein. Ici, au niveau du page de c'est quoi? C'est le 9 de... Ah oui, oh non, je ne vois pas bien. Non, je vais terminer avec le page de pentacle ici. Si vous préférez, ici, il y a une opportunité qui s'offre à vous, d'accord? Ça peut être nouveau emploi, ça peut être un nouveau projet... à développer, de la nouveauté en tout cas, qui c'est une opportunité, d'accord? Et puis ici, 9 de bâton, par contre, c'est comme si, comment expliquer ça? J'ai l'impression que, en fait, on a des craintes, on a peur de ne pas y arriver, vous voyez, vous êtes un petit peu quand même méfiant et méfiante, hein? On y va à reculons là, d'accord? Donc, on se dit, oula, oula, j'en suis pas capable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, ce qui est un peu houleux ou alors ce qui est un peu, on est en désaccord, bon, bah ça va s'arranger, d'accord? À un moment donné, on va être fier aussi. Alors, peut-être, on va être fier de nous, d'accord? De ce qu'on est nous, hein, d'accord? On se respecte, c'est très bien, on s'en grandit aussi d'une situation, peut-être parce que pour moi, vous n'allez pas vous laisser faire. Ici, vous allez, comment dire, vous affirmer ici. Hein. Ici, vous allez dire, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je vois les choses différemment. Je vois comme ça, comme ça, comme ça. Eh ouais, eh oui. Bon, alors, ici, mes chéris, il y a une opportunité. Peut-être qu'on vous la propose à vous et pas quelqu'un d'autre. Bon, c'est possible qu'il y a de la concurrence. Ça, c'est possible, hein, quand même. Mais peut-être qu'on vous la propose à vous parce que vous en êtes capable, d'accord? Et en fait, c'est comme une forme de récompense, vous voyez? Mais vous êtes déjà satisfaite, hein, parce qu'elle est satisfaite, elle, en fait, hein, elle est tranquille, hein. Elle s'est posée, derrière elle, elle a ses coupes, je vous dis, hein. Mais elle ne manque de rien, elle est dans la plénitude, hein, on est d'accord. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose qui va s'accomplir ici. Hein. C'est possible. Hein. Et que ça soit comme une récompense, et en fait, si vous voulez,
on vous l'offre ou on vous propose à vous quelque chose ou alors oui, on vous propose quelque chose, peut-être que ce n'est pas pour tout de suite, hein, peu importe que ça soit pour tout de suite ou pas, c'est parce que voilà, on vous le propose à vous. Donc, c'est possible, voilà. Et sinon, ici, on a quand même peur, hein, on a quand même peur de ne pas y arriver quand même. Donc, on est un petit peu sur sa défensive, hein, d'accord? Ou on va être sur sa défensive. Donc, ça, c'est fait. Celle-ci, trois cartes, s'il vous plaît. Pour mes sagittaires. Ouais, bon, ici... Oh non, mais sérieux. 9 de coupe sur 9 de coupe. Mais ici, mes chéris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez être comblés. C'est l'abondance. En fait, il y a... Alors, ça peut être aussi une grande récompense, une grande réussite, hein, ici, hein, mes chéris. C'est possible, hein. Vraiment, vous allez être dans l'abondance, vous allez faire la fête, vous allez être joyeux, joyeuse, ou faire la fête, en tout cas, vous allez rire, vous allez dire, youpla, c'est moi qui l'a remporté, ou on m'a proposé ça, donc en fait, ça touche votre ego, mais votre fierté, mais dans le bon sens, vous voyez, et sinon, on va partager avec les amis, on va faire la fête prochainement, d'accord? Ah oui, puis de toute façon, vous avez besoin de nouveaux horizons. Peut-être qu'on vous propose hein, quelque chose de nouveau. Mais toujours est-il, vous, vous avez besoin d'extension. Vous avez besoin, comme elle, de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. D'accord? De l'autre côté de la rive. Vous avez besoin de voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. On a envie de nouveautés. On en a ras-le-bol du surplace. D'accord? De toute façon, vous allez bouger, hein, mes chéris. Alors, ensuite, ici, trois cartes, s'il vous plaît. Il y a quelque chose, des paroles, il y a peut-être un rendez-vous, un entretien, ou alors des paroles avec quelqu'un, une discussion. On n'est pas très d'accord, hein, d'accord? Mais il ne faut pas trop non plus être nerveux, nerveuse. Hein. Il ne faut pas être agressive ou agressif, hein, d'accord? On ne se laisse pas faire, c'est vrai, mais tout dans l'intelligence, hein, comme vous savez si bien le faire. Oui, je ne sais pas, on parle d'un contrat, vous voyez, on échange au sujet d'un contrat, d'un compromis, on va trouver des compromis, mais c'est plus un contrat. Après, attention, ça parle beaucoup du travail ou alors des études aussi. Ça peut être un diplôme obtenu ou alors en alternance ou alors, je ne sais pas, apprentissage. En fait, ça parle de contrat ici. Mais au final, on est content, contente. Je vous dis, vous allez faire la fête. Hein, vous allez être dans la joie, mes sagittaires. Ou alors, ça peut être aussi... Moi, ça me parle quand même beaucoup des études et de l'emploi et de l'apprentissage, d'accord? Mais sinon, ça peut être aussi le permis de conduire, ça peut être aussi un bail signé, quelque chose, vous voyez, un contrat. Il y a une opportunité hein, quand même, hein, on est d'accord. Moi, je vais dire, c'est le pro, d'accord? Le pro... Mais tout de même, encore une fois, vous arrivez à un carrefour de votre vie où l'univers vous demande de vous décider. Alors, oui, c'est une opportunité. Est-ce que vous allez la saisir ou non? En fait, ça dépend de vous. Tout simplement. C'est à vous de vous décider. Et là, on dit, il y a une femme, ou la consultante, où on parle d'une femme, d'accord? Il y a une ouverture qui se fait. Donc, alors, c'est soit une femme qui vous propose une ouverture, soit c'est pour la consultante, il y a une ouverture qui va se faire, d'accord? C'est la destinée, hein, cette porte. Hein. C'est une histoire de temps. Oh là là, c'est une histoire de temps. Il y aura... Alors, vous êtes nerveux, nerveuse, il y a de la stabilité un petit peu pour vous décider, c'est pas évident. Il y a une ouverture, il y a une opportunité et vous avez la chance, vous êtes béni, hein. Vous avez la chance et en fait il y a une main tendue aussi, ça c'est possible et sinon la chance vous accompagne mes loulous d'amour et je pense pendant longtemps. Il y aura une belle période comme ça, hein, d'accord? Et sinon, il y a quelque chose pour bientôt, ou alors il est temps, ou pour bientôt, il y a quelque chose qui se joue en coulisses, mes chéris, d'accord? Mais je ne vois pas... ou alors, on cite pour longtemps. Ça, c'est bien. Surtout de nos jours, on est bien d'accord. Alors... Le plongeon...
Est-ce que vous allez faire le plongeon? Le plongeon vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est à part, hein? Ça parlera pas à tout le monde. Hein? Méditez, ça vous fera du bien, ça vous calmera un petit peu. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego aussi. Alors là, votre mental, il vous dit non, tu vas pas être capable, tu vas pas réussir. Si tu acceptes, bah, tu vas le regretter. Vous voyez ce genre de truc, mes chéris. Et il y a une réponse. Soit vous attendez aujourd'hui une réponse, soit c'est eux qui s'attendent une réponse de vous aussi. Hein, on est bien d'accord. Ou alors, on vous propose une opportunité, quelque chose, et bien sûr, il faudra répondre. On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire, mes chéris. Et il y en a certains et certaines qui vont faire appel à mes dons. Parce qu'on me le dit, et tout s'éclaire. Et oui, vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin de conseils, mes chéris, d'amour. Et vous avez besoin d'être aligné. Il faut se réaligner, mes chéris. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, mes chéris. Et en plus, on a la méditation ici. Hein. Ça va vous faire du bien de méditer, mes chéris d'amour, mes sagittaires. Alors, Ganesh, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'on a? Raffinement. Oh là là, vous allez danser avec de la finesse, du raffinement, avec de la souplesse, avec... ça va être raffiné. Vous allez manger quelque chose de raffiné. Vous allez jouer un morceau doux. Vous allez danser, vous allez chanter. Vous vous souvenez, il y avait la fête, hein? On va aller à un endroit, enfin quelque chose de raffiné, de bon, toujours est-il. On va être raffiné, hein. Allez, on regarde encore une carte. Je vais prendre celle-ci aussi, parce qu'elle est sortie. Il faut être déterminé, sûr de vous et déterminé. D'accord. Et certains et certaines, peut-être vous faites appel à mes dons de guérisseuse. Il n'y a pas de souci, vous dites bonsoir Nati ou bonjour Nati, ça dépend de l'heure. J'ai besoin de savoir vos tarifs au niveau des soins, du rituel, exemple. Ou alors des guidances, ça dépend ce qui vous intéresse. Et puis voilà, je vous envoie tout ça par mail. Il y a la guérison ici, vous allez guérir mes chéris. Il y a aussi pour moi la musique vous fait du bien, la méditation, la danse, le chant. D'accord? Oh que oui. Ça se trouve, je ne sais pas moi, maintenant on peut louer des karaokés, je ne sais pas, on est à 2, 3, 4, 5, 6, à condition que, voilà, on n'ait pas de risque. Hein. Mes chéris, on est bien d'accord hein, surtout. Hein. Voilà, et on va faire les choses avec allégresse, mes amis, raffinement, allégresse, c'est bien. Voilà mes chéris, j'ai tout fait, oui. Voilà mes chéris, Sagittaire, voilà, Nati, elle vous embrasse. Et puis, je voulais, j'avais dit stop, et puis en fin de compte, voilà, j'ai continué. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt parce que prochainement, il y aura les vidéos pour la semaine du 4 au 10. Mon Dieu, comme ça passe vite. Bon, bref. Voilà. Bonne nuit, mes chéris. Bisous d'amour. À bientôt.